Coucou les amis, je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter les cartes oracles que j'utilise le plus dans mon quotidien. L'oracle des miroirs de Dimitri Dalfange Duvril, médium, illustré par Aurore Schmidt. Alors la boîte contient 53 cartes avec un petit livret explicatif dans lequel des méthodes de tirage sont proposées, mais aussi l'interprétation brève des cartes. Alors ce n'est pas important qu'elles soient super détaillées, car comme dans tous les jeux, c'est sympa d'avoir une direction pour expliquer une carte, mais le but est de faire confiance quand même à son intuition et de se demander comment la carte nous parle en fonction de nos ressentis, de notre propre histoire et de ce que l'on y voit aussi. Toutefois, si vous ne vous sentez pas encore très à l'aise avec votre intuition, vous pourrez alors vous procurer un livre plus complet du même auteur expliquant plus en détail le jeu. Alors ce que j'aime dans ces cartes, c'est la simplicité de lecture, les mots-clés sur les cartes, les détails qui poussent l'interprétation un peu plus loin. Et puis il y a aussi quelque chose de personnel, on doit sentir que ces cartes nous conviennent. Et c'est le cas pour moi avec l'oracle des miroirs. Disons que je suis plus sensible à ce jeu, donc il est plus facile d'interprétation pour moi qu'un autre oracle. Peut-être que ça ne sera pas votre cas. C'est pourquoi je trouve intéressant de vous montrer toutes les cartes pour que vous puissiez vous faire votre propre avis. Si vous voulez plus de précision dans vos tirages, je vous invite à vous procurer l'oracle de la vérité en complément. J'ai déjà fait une review sur ce jeu, je vous mets le lien en barre d'infos. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à la commenter, ça m'aide beaucoup à me développer et à continuer. Abonnez-vous à la chaîne YouTube sans oublier de cliquer sur la petite cloche pour ne manquer aucune autre présentation de produits ésotériques et spirituels. Quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Restez connectés.